select the one to fight with. Get it on. 10, 9, 8, 7, 6. Pick and choose the right one. Get it on. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Select the one to fight with. Get it on. 10, 9, 8, 7, 6. Yes, sir. Pick and choose the right one. Get it on. 5, 4, 3, 2, 1. Et avec un nom complètement craqué, j'appelle la team. L'amour a-t-il un prix? Yabal, dit le beau gosse du 13e arrondissement. Et Master Farouk, dit le Batman de Gotham City. Donc, on va commencer par le Janken pour déterminer le côté, puisque c'est très important. En général, pour les teams et de manière psychologique, de savoir qui joue au premier player, qui joue au deuxième player. Donc déjà, qui dans chaque team fait le jacket? Donc il y a Yox, ce, le Zin et Farouk. Allez, mas. Je, à 3. 1, 2, 3. Et c'est Yox qui est en train. Donc, vous choisissez quel côté? De la team. L'amour a-t-il un prix? Donc, il est composé de Gunfight et son Dudley, Yabal et sa Makoto, et Masta avec son Urien, car Strike est les Japonais. Et c'est le justicier masqué qui va y aller en premier. Et donc, et donc de l'autre côté, on a Yox et Chun-Li, on a Enrique et Ken, et on a Jason, courageux Hugo. Courageux Hugo, seul nom tiers de la compétition. Alors, et c'est Enrique et son Ken qui vont démarrer. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, je rappelle les règles. Donc c'est du team 3 contre 3, élimination directe en tout cas dans ce cas précis. Il n'y a pas de deuxième match. Et c'est du strike. Dès qu'il y en a qui gagne, il faut que son coéquipier sauve la mise. On est en finale winner pour le moment. Donc il y a une team qui est en loser qui attend et le gagnant passe en grande finale. Voilà, petit morceau hip hop. Enrique qui est perdu dans ses boutons, non? Alors on règle l'affichage apparemment. Petit rappel drôle et historique, il faut savoir que 3.3 est l'un des deux jeux qui a survécu pour le moment à toutes les éditions du Stunfest depuis 2005. Et ça n'est pas anodin, un jeu qui est sorti en 2001 je crois. Les boutons. Oh les gars. Allez.
Zoom, au groupe Pierre Mariette. Farouk, qui cherche là-bas, Rostar. Voilà, les deux adversaires sont prudents. C'est peut-être la pause aussi. Il y a encore ça, il n'y a pas encore de show, il n'y a pas de pari. Voilà, Deschamps, tranquillement, Deschamps à nouveau. Douliens, voilà le proche, la église. Les bonnes relations de Riquet qui essaie de péter. La église. Ah, Sarah qui confirme. Attends, c'est très très prudent là. On les sent un peu fébriles. Voilà, dommage, il a raté. Il a raté son pavé de Fury là. Voilà, et il prend pas de risque. Parce que la punition peut être sévère. Voilà, Farouk qui essaye de maintenir le pied dans le coin. Tu n'hésiteras pas à le faire.
les adversaires se ferment. Oh là là, c'était très très bien vu chez Marcel. Tout Fury et un super qui passe. Ah, ah, le géant du tag, tout est encore possible. Et je sens. Je sens le coup de la grâce. Oui, oui. Faut se reprendre sinon Lucas va se creuser. Voilà, très bien, voilà le goal. Paf, paf, un point. Voilà, c'est bien vu ça, le gros pied dans son cas. Il se passe sur son gros pied qui est tellement, tellement bon chez le Toto. Voilà, il y a un ballon qui reste prudent, il s'approche pas, mais pour le moment, oui. Attention, le coup d'avancer. Allez, c'est ça. Oui. Décalage. Bam. Allez, je veux. Allez. Voilà, tu devrais bien s'approcher le même pas. Tout le monde, voilà. Allez. Ah, mais c'est ça va. Attention. Voilà, c'était bien vu ce pari. Oui. Le pas de gros point. Il touche à très loin. T'as échappé ou quoi? Attention, attention. Les chaussures sur lui. Voilà. La balle qui arrive à gérer la crise, arrive à sortir du coin. Et tout est à refaire pour le Hugo. Attention, ça joue très bien, on va aller là-bas. Attention, attention, attention. Voilà, ouais, super. Et c'est pas terminé. Avec la super de Hugo, il peut revenir très très rapidement. Je suis impatient de détacher la sorte, c'est très vite. Attends, c'est pas lui. Allez, on va faire la. On va faire la renvoi sur ce crâne. Allez, c'est ça. Vas-y. Il n'y a pas intérêt plus loin. Il sait. On est bien gardé, ça va. Aïe, on sent chez Stoyex. On sent, mais personne va le faire, mais on sent, on est là. Ah, dommage, c'est ce côté. Il a fait un beau combat, mais malheureusement, c'est Johan qui essaye d'intoxiquer un Ultra-Yox, Ultra-Tox. Voilà, hein. Allez, attendez, un applaudissement pour le clown de Street 3.3 et sa chemise. Johan qui déclare: putain, tu m'as fait kiffer. Ah, Yo, ce point t'as perdu, ce qui est quand même pas mal. Allez. Voilà, Yoann hein, qui est originellement joueur de Yang, pas de Yun, de pas mal de perso, toujours top tier en général. Voilà, Chun-Li, allez. Zoline, efficace, elle s'en fout du cœur, voilà, ça ne respecte pas. Là. Voilà, Karakusa, attention, ça va faire très mal dans le cœur. Le coup d'état, alors, c'est le stop, c'est le stop, c'est le stop. Allez, Yoann, il faut arrêter, il faut bien jouer maintenant. Le coup de Rory, voilà, bien vu, un petit point qui arrête la chambre. Oui, bien gardé, là, ça joue. Ah, le coup qui se part. Allez, lâche, attention à la relever. Voilà, ça s'en fait. Ça va. Allez, Karakusa, tu vas par là, c'est pas déjà. Voilà, bien sûr, bien sûr. Très, très bien. Ah, il y a Val qui rate rien, pour le moment. Voilà. Bien gardé. Voilà, terminé.
Et cette question qui reste, l'amour a tient un prix. L'amour a tient un prix. On le saura en grande finale. Alors, les amis des Clairvaux, restent là pour faire donc la finale loser. Et j'appelle avec un nom tout aussi charismatique la team Nous c'est le coup. La team Nous c'est le coup. Qui est composé de Billy Kane, l'ancêtre à 3 points, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements, un des premiers joueurs de 3 points, et jusqu'à la retraite la plus meilleure, et il est encore là aujourd'hui, avec Victor à ses côtés, son micro magnifique, et Otana, le Irlandien, Et là, ça discute parce que là, on ne peut plus décoller. Là, on perd. Terminé, c'est les lots du troisième, et c'est pas grand chose, on le sait, c'est un cache-presse ridicule, non, il n'y a pas un cache-presse. Donc, le junkel les amis, qui fait le junkel? Ah, Victor. Ah. Ah, non. Ça discute, ça dit. Allez, c'est le tada, à 3, les amis. 1, 2, 3. Et c'est Otana qui gagne. Et donc, Into the Dead doit déclarer son ordre. Et ça va être très très important avec Jason qui joue le Hugo, puisqu'il y a des persos complètement anti-Hugo. Voilà. Là, ça va être Ken. Et c'est. Et oui, et il a bien raison, l'ami Johan. Le Aimé Jacquet du 3.3. J'aurais fait la même chose. Envoyé au casse-pic Enrique, lequel a un bon top tiers. Il peut gérer plus ou moins tous les match-up. Donc, c'est Enrique qui commence de ce côté. Je voulais faire aussi le junkin pour un côté. Donc, Kings et Tuzonel reste en P2. Et nous c'est le coup en P1. Enrique contre Victor. Donc un match de Victor exotique. Et là j'ai oublié Victor tout à l'heure, qui est aussi un des low mid tiers du jeu avec son écro. Un mix entre Tachi et Blanca, trop bizarre. Oh. En étant depuis le temps que tu joues au jeu, tu sais brancher ta manette quand même. Allez. Et c'est parti. Attention le, voilà, les boutons pour Victor. Pas de check, hein, tu joues cash, non? Allez, on se prépare pour la finale loser du tournoi team de Street 3.3. Pour le perdant, ça sera déjà terminé. Et Victor, sous le coaching avisé de Billy Kay. Voilà. Hein, tu feras gaffe. Hein. Il sera avec toujours avec toi. Allez les gars, on va le micro au micro, Ken. C'est parti. Voilà. Le micro qui a déjà poussé le Ken en point. Voilà, super zoné. Hey, hey, la danse. Le stop, le stop, le stop.
à chaque fois une entame de match. Un peu faible. Aïe aïe aïe. Encore une blague.
Dumont, les Comedy Club. Merci. C'est beau, c'est fair play. Bon, là, il y a des manettes qui... Ça va.
Comme si vous voulez me faire mentir, le crush. Oh là là,
Et là, cette fois-ci, c'est deux persos qui n'ont pas les cours. Et bon, Farouk, qui s'en sort très très bien. Aïe aïe aïe, victoire. Et ouais, il se fait gratter par le crush. Super, super. Allez, c'est parti. Voilà, le zoné, le bail qui. Voilà, et on peut rester tranquillement, lui dernier point. Et le headbutt, bien gardé. Oh oui! Sur le 8 novembre, vous pouvez, il est dans le coin. Ah, la chatte, t'es pas passé. Il est dans le coin, c'est toujours dangereux. 4. Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!